les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va poursuivre notre petit album automne. J'espère que vous allez bien. Alors là, j'avais mis des brads, bon, c'était pour le tenir, hein, parce que ça faisait une fois tenu, mais je vais les enlever. Vous voyez, ça arrive juste à la limite. Et là, il n'y a pas la couverture. Alors, pour faire la couverture, j'ai pris deux dos de bloc action. Vous savez ce qu'il y a au dos. Et là, c'est assez souple. Ça ira bien pour ce style d'album. Entendons-nous bien. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est... Alors, j'ai choisi ma page de couverture. Je vais prendre du bois devant. Et à l'arrière, un pull de laine hiver. Ça va, ça, c'est un jacquard, ça fait pas trop Noël, ça va. Ça fait un pull... un pull en laine, quoi. Bon, enfin bref, donc, je vais couper à la mesure cette couverture. Alors, est-ce que je la fais un peu plus grand? Non, pas spécialement. Hein. Voilà. Ici même, je vais venir couper ça. Est-ce que ça fait la deuxième ou pas? Logiquement, oui. Mais pas tout à fait. Vous voyez, il en manque un peu. Il manque quoi 2 mm, un truc comme ça, quoi. Ouais, 2 mm. Donc, je vais prendre une autre aussi. Et on va... D'ailleurs, ce carton, il a l'air... Ouais, je sais pas. Des fois, ils n'ont pas la même... Des fois, ils n'ont pas la même... épaisseur, les cartons des blocs, là. Hop, et voilà. Donc, je vais prendre une déco sans faire tout tomber. Donc là, c'est cette partie-là. Est-ce que ça rentre? Oui. Alors, hop. J'espère que ça enregistre. Ouais. C'est bien du Sylvie, comme d'habitude. Voilà. Donc celle-là, et là, c'est celle du haut. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé de la feutrine et j'en ai pas. J'ai pas de feutrine. Par contre j'ai du liège que m'avait envoyé Anne-Marie. Ben, je sais pas si je vais m'en servir ou pas, j'en sais rien. Voilà, donc là il y a un côté qui est sale. Là aussi. Ça sera les devants. Voilà. Donc là, idem, je vais... recouvrir. Ah ouais, par contre, on pourra pas faire le bout là. Merde. J'aurais voulu faire le bout. Le bout du bout, on pourra pas. Ok. Pigé. Ou pas pigé. Donc, ça ira pas. Je voulais recouvrir comme un livre, quoi. Mais là, je suis trop juste. Donc, ça fera pas. Ah, tant pis, hein. Ça sera moins bien, hein, ça sera moins fini, quoi. Et un super beau soleil. Ça change, hein. Voilà. C'est très pratique pour regarder. Il faut absolument que je mette ma tête sous l'appareil. C'est une vraie galère. Je ne sais pas comment vous faites. Ah, je sais pas. Je comprends pas comment vous faites, moi. Bon, j'ai coupé mes deux planches comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai les ancrer le bord. Je vais déjà coller. Donc c'est, y a pas de, j'ai pas pu recouvrir sur le côté. C'est franchement dommage parce que c'est ce que je voulais faire. Donc c'est vraiment. Alors j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Je sais pas si parce que j'ai vu une vidéo de Nani de la chaîne. Nani, l'atelier de Nani. Et elle dit que le pistolet action coule en permanence.
qui est possible. Parce que moi, j'en suis servi qu'une fois, c'est quand j'ai fait la vidéo avec. Du coup, je n'ai pas prêté attention. Par contre, j'ai trouvé qu'il consommait beaucoup plus vite que l'autre. Alors, c'est effectivement parce que, c'est possible que ce soit parce que, comment? Ben parce qu'il coule. Là, je l'ai mis en chauffe, je vais voir. Bon, là, je vois que ça dépasse un petit peu. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on rabote. Hein. Voilà. Comme ceci, on appuie bien dessus. Voilà. On vient faire la seconde. Il y a un sequin qui s'est collé, tiens. Ça me fait penser que ça serait joli aussi de mettre des sequins. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme tampon. Automnal et parce que je voudrais quand même faire des petites choses. Je voudrais me servir de tampon. Parce que je le fais jamais. Pas assez souvent, du moins. Et j'ai envie de faire avec des tampons. Alors je vais voir, je sais que j'avais un petit renard et il s'était déchiré. Donc c'est. Je m'en suis servi une fois, puis il s'est déchiré. Voilà. Alors, je vais regarder ce qui dépasse et je découpe. Et je découpe. Alors, j'ai pas mis partie 1, partie 2 parce que sincèrement, je sais pas en combien de parties je vais le faire. Hein. Là, je sais pas du tout. Et on va venir ancrer quand même les bords. Parce que, d'ailleurs, je vais le faire à l'arrache avec la. Allô? Avec le pad lui-même, vous voyez, parce que sinon on voit les bords du carton, quoi, puis c'est moche. Faut bien dire ce qu'il y a, hein, c'est pas beau. Alors, comme j'ai pas pu recouvrir, bon, on va faire comme ça. Par contre, il faut bien que tu colles, toi. Voilà, on va bien faire comme ça. Là aussi. Ce sera plus joli. De manière à ce qu'on ne voie pas la tranche blanche. Qu'est-ce que tu viens faire? Je colle tout partout qui rentre. Tout ça pour voir. Un curieux, hein, c'est pas possible. On peut pas être tranquille. Tu dis bonjour les amis. Bonjour les amis. Ça fait peur ta voix. Ah bah je suis peur, oui. Ah bon. Ah non, non, si tu veux... Ça marronne, hein. Ça marronne, mais si tu veux voir le spectacle, il faut payer aussi, hein. Ouais, j'irai le voir sur YouTube. Attends, allô. Je vais mettre un pouce bleu, moi, je paye en pouce. Toi, tu mettrais un pouce rouge. Ouais, ouais. Ah, il est mauvais. Ouais. Ah, mais... Je suis pas le seul à être mauvais, hein. Apparemment, il y en a plein qui mettent des pouces rouges. Non, non, j'ai un pouce rouge par vidéo, mais ouais, ça c'est une ennemie jurée, ça. C'est une andouille, ça. Ça elle peut pas me voir. Elle. Bah, importe, elle pourrait l'expliquer, au moins. Oui, mais non. Voilà. Elle attend que je mette ma vidéo pour mettre son pouce. Ouais, bah c'est son... C'est son... de la bonne crétine, ça. C'est sa motivation de la journée. Bon, bah, voilà. Je te laisse. Enfin, les amis. Voilà, donc on a fini. J'en ai plein les mains. Et puis après, on va trouer les deux pages. Ah bah non, c'est vrai, il faut que je fasse la ligne aussi. Oui, là, il n'y a pas là. Il va falloir faire le traçage à 4 cm. Ça va être d'ailleurs... pas si simple
à tracer parce que là, du coup, c'est épais. Alors, 4 cm. 4 centièmes. C'est ici. 4 cm. C'est ici. Et hop, hop. On vient. Voilà. On vient faire aussi le traçage. Ça va, ça se voit quand même en dessous. Pas évident quand même. Attendez voir. Ouais, sans compter que bah, il faut pas que le carton se casse. Hein. Ouais. D'ailleurs, je pense que je viendrai recouvrir l'arrière parce que c'est pas très joli quand même ça. Et là, idem. Voilà. Voilà. Oui, ça le casse un peu le carton. Hein. Parce que là, ça l'a un peu trop. J'ai été trop de main morte. Hein. Pas de main morte. Hein. Hop. Hop. Voilà. Et logiquement, je dis bien logiquement, ça fait notre. Ah merde, je me suis trompé de sens. Fallait que je fasse le pliage là. Bon bah tant pis, ça sera à l'envers. Oh gourdasse, ou alors je recolle du papier. Ouais, je vais recoller du papier parce que c'est à l'envers. Oh, c'est pas très grave non plus. Hein. D'accord. Non parce que si je fais de l'autre côté. Bon, je pourrais le faire. Hein. Mais non, même pas. Il serait quand même à l'envers. Oh, la nulle. Bon, bah, je vais recoller une feuille de ce côté-là. Non, je recollerai une feuille là. Bon, bref. Là, ça nous a fait notre couverture. Je vais faire les deux trous comme il se doit. Et ensuite, je viendrai relier. Alors, je vais voir si je mets soit de la ficelle. Soit du ruban, j'avais du ruban orange à rayures, mais j'ai moyennement envie avec ça, je sais pas, j'ai plus envie de corde ou de ficelle. La twin, je trouve ça un peu trop léger. Et puis surtout, ce que je vais faire là, c'est comment dire, bien faire mes coloris de feuilles. Essayer de mettre une unie, une à feuilles. Là, je regarde ce que j'ai qui peut s'assortir. Là, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Voilà, je vais assortir comme ça. Et mettre de la feuille, des pois. Ça fait propre mes doigts. De la feuille, des pois, feuille. Ça, 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 ça. Je trouve que cet ordre-là, ça fera joli. Voilà. Et alors là, ce que je pense faire ici, c'est à chaque fois un angle avec. Donc ça laissera quand même la place d'une photo. Un angle ici avec un tamponnage. Alors l'angle, soit je le fais en liège, ce qui aurait été pas mal aussi avec du liège. Ou du bois. Avec ce qui me reste de chute de bois là. Ça peut être pas mal à faire aussi avec du bois. Parce que je vais pas faire de choses qui se déplient, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est refaire ma page arrière là, parce que c'est pas bon. Et puis faire les trous dans les pages. Et pas encore assembler. Je vais d'abord faire mes décos avant d'assembler. Donc en fin de compte, là, j'ai changé. J'ai mis ça comme
comme arrière. Et j'ai mis les rênes à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai gardé mon bois et j'ai remis aussi des rênes à l'intérieur. Voyez-vous? Et là, je viens marronner. Puis là, je vais faire mes deux trous. Là, j'aimerais encore bien finir le marronnage. Voilà, pour qu'on ne voie pas du tout de blanc. Quoi. Voilà, en gros, là, je vais faire mes deux trous. Et ensuite, je vais voir à combien je suis une minute. Soit je prolonge et puis on va faire les, je sais pas, les tamponnages pour changer. Et voilà. Pour l'instant, j'arrête là. Je pense que je reprendrai après un peu plus tard. À tout de suite.